De retour dans Hearthstone. Heureux de vous revoir. Oh, c'était trop tranquille sans vous. On va continuer notre aventure sur Naxxramas. Hop là, on va choisir. On passe donc au quartier de la peste avec... Tu vas faire les frais de notes. Ridicule. Les frais de notes, bref. Quartier de la peste. Note le porte-peste. Qui était donc un fameux boss dans ce fameux quartier de la peste sur Naxxramas, sur World of Warcraft. Et en gros la strat, c'était pas très compliqué, c'est juste un peu chiant. Il invoquait régulièrement des vagues de squelettes et des vagues de chevaliers squelettes. Voilà, c'était fallait juste gérer ça. Note le porte-peste. Encore une âme pour ma collection. Que la traque commence. C'est moyen. C'est vraiment moyen comme première pioche. Très moyen. Très 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 moyen. Travail terminé. Bonjour. Mourez, intrus. Il va falloir gérer ses provoques avec ses ghouls qui sont très très chiantes. Le truc c'est que je pense pas qu'il... pas très dangereux, ça encore ça va. Voilà, allez, comme ça, on attend un petit peu, on sortez laisse. Sortez vos morts. Quel tuzade, tiens donc. Au choix, non, on va faire ça. Et pourquoi? Pourquoi ce truc? Je l'aime pas ce truc. Mhm. On peut la monter à 5. Là, toujours ça te fait. Un point de dégâts à tous les serviteurs. Oui. Pas trop très gênant. Place de coupure maintenant. Ah, c'est un petit peu plus embêtant. Il se retrouve donc avec deux provoques de plus dans la main. Ça ne me sert à rien, j'ai pas d'armes. En 5. Bah 5 points de dégâts cash. Non, on va rester comme ça. Je pense utiliser le piège givrant mais pour l'instant on va le garder. Voilà, il ressort la provoque, sachant qu'il en a encore une autre. Voilà. Comment des points de vie. Oui, alors c'est son passif, donc à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui meurt, ou qu'un ennemi meurt, pardon, et ça invoque un squelette chez lui. 5 points de dégâts à un serviteur et 2 points au serviteur adjacent. Ça, c'est bien ça. J'avais pas calculé que ça m'attaquait le maître chien en fait. Je ne sais pas si j'ai bien fait. Oh non, pas la goule. Il faut que j'élimine la goule en premier. Et pour cela, on va utiliser ça. Ça. Et ça. Et là, cache, quoi qu'il arrive, c'est la goule. Voilà, comme ça on s'en débarrasse, on est tranquille. Lui il fait quoi? Un secret. Oh, voilà, limite, c'est pas trop grave. Voilà. Aïe.
Et je vais l'éliminer avec le poison. Et on va même le rappeler. Prochain vocal que tu sais. Répondez à l'appel de Kel'Thuzad. Comme ça, on fait un petit peu de dégâts. Quand un serviteur allié, ok, d'accord. Donc il se retrouve avec de nouveau deux provoques. Kel'Thuzad, s'il te plaît, ressuscite-moi mes morts. Merci. Nous avons soif de vengeance. Pourquoi est-ce qu'il a joué ça? Moi j'aurais rejoué les provocations. Parce que là du coup j'ai gagné. Alors 9. Bah on va pas s'emmerder. Histoire d'utiliser tout ça. Et vu qu'il a des secrets, on prend pas de risque. Ok. J'aime pas trop ce mage. Sors. Meurs. Ah, ça fait que le piocher. Faites des prières. Alors, je lui laisse un tour de répit. Un seul tour. Expire. Ah, c'est vache. Ah, c'est vache ça. Que j'avais un râle d'agonie qui lui mettait des dégâts. Pauvre note. On aurait dû l'appeler le porte-poisse. Beaucoup d'humour dans les aventures Hearthstone, c'est vraiment magnifique. Voilà donc pour ce note le porte-pèce, on se retrouve dans une prochaine vidéo avec Egan l'impur, si je me trompe pas. Je me trompe pas, voilà. À tout de suite donc dans une nouvelle vidéo.